Allez, GG survie. De toute façon, moi j'ai arrêté le PVP. Ça y est, là. Et on va à ma base PVP. Je suis quoi, vous faites un, vous faites un donjon héroïque là? Heureusement que je suis là. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Absolument. GG. Voilà. Genre, t'es déjà plein. What the fuck? Oh, genre, t'es déjà plein. Bon, bah, du coup, hein. Comment dire? Tavos, il va surpasser ta vis, hein. Oh là là, mon dragon, il est plein de chez plein. Il fait du surplace. On va retourner farm, hein, du coup. Retournez pas. Il est super génial pour garder l'eau. Hein. Attends, de quoi? La gourde que je t'ai demandé si je pouvais prendre là. Ah oui. Ouais. Ouais bah oui, moi, bah elle est efficace hein, ça là oui. On consomme pas beaucoup. J'arrive, hein. C'est juste que j'ai plus d'argent TV, du coup je dois faire tout le tour de la montagne mais j'arrive. Vas-y, vas-y, viens. Encore PVP. Bah moi j'ai dit je venais pour le dernier round là. Mais bon il est venu avec son Drake et du coup il a... C'est un peu foutu la merde. Chamboulé. Et du coup comme il a cramé mon argent TV, c'est moi je suis obligé de faire tout le tour de la montagne à Pince pour descendre tranquillement. Bah du coup ça c'est facile quand même l'héroïque, hein. C'est pas non plus Ça va, il faut faire quand même attention au space. Ouais, faut faire attention à son placement, tu vois. Comme là par exemple, nous là qui a poule. Putain. Salut Attilas, comment tout va? Tu sais que j'ai claqué mon impôt dans les vents. Dans le vent. Ah merde. Je suis trompé, quoi. Ça c'est pas cool. Je l'ai claqué avant le boss tout à l'heure. C'est ballot, hein? Ouais. Bon. Oh! Un carnot! Simplement, tu voles un œuf, ensuite tu le fais éclore. Deux carnots même. Tu fais grandir à l'âge adulte. Et après, t'as un carnot. Étant donné qu'on peut pas l'aider, elle est trop grandie. Ouh, nice! 1700, c'est bien, hein? Tu vois, quand on va pas relever les puits de pétrole, par jour on a 1700. T'as vu, GG, le bijou que j'ai eu là? Ouais. Le bijou héroïque celui-là. Oui. Mais il est vraiment plus à chier que celui que j'ai eu en mission tout à l'heure, regarde. Ouais, bah comme ça, c'est rien, ouais. Là-bas, normalement, il y avait le golem. Bon, ce qui est chiant avec les dragons, c'est que t'as pas de. Allez, un doigt, il me faut un doigt. Il me faut un doigt, je veux un doigt. Tu veux un doigt? 40. What the fuck? The fuck? WTF? C'est ça. Tu lui dis bien que. Allez, la famille, on y va. Mais tout à l'heure, Alex, je pensais que t'allais venir en mode. Je viens en mode avec les potes et je viens avec le golem et tout, hein. Non, non. Bah, je vois que t'es déjà là. Je vois que tu fais connaissance avec mes deux Rex. Oh, oh putain. Là, j'ai pas fait connaissance là, ils m'ont même pas laissé de t'en faire connaissance. Déjà t'as vu ça hein? C'est des bons chiens de garde hein. Ah, en fait, ils ont réussi à passer les murs. Ah ouais, mais ça c'est pas cool par contre. Moi ça, ils ont pas. Bah, les animaux ils traversent les murs. Non, non, ils ont. Bah non, il y avait l'espace pour qu'ils puissent passer. Hein, ah ouais? Ah oui. Oh.
largement les murs de derrière, il y a 3-4 murs de suite qui sont pétés, donc forcément. Hein, Drake, d'accord. Il y a aussi ton stuff qui est sorti. T'as deux Drake, je crois, qui sont sortis. Il est où t'as ton stuff? Bah, t'es mort derrière ou devant les murs? Logiquement, là où là, tous tes dinos qui sont en train de squatter. Ouais, ben je vois pas de sac. Je crois que c'est un T-Rex qui m'a croqué. Ouais, en fait. Je vois pas de sac. Bah, faut que tu regardes, je sais pas. C'est Titi qui t'a tué, c'est le marron. Je sais pas, je crois que j'ai vu deux T-Rex pour ça. C'est... Bah. Chill. C'est facile. Ouais. Un boss photo. Ouais. Je suis dur, c'était d'aligner les pylônes. Le fou. Ouais, l'héroïque, c'est plus que c'était, moi je te le dis. Hein. Ah bah oui. Oh, mais avec quoi il venait? Oh, GG. Tu sais quoi? Il venait avec. Il a eu ton idée. Le petit malin, il a eu ton idée. Il venait avec des bolasses. Il venait avec des bolasses, lance-roquettes avec 6 roquettes à tête chercheuse, hein, s'il vous plaît. Et une AK. Merci pour l'AK, parce que ça, je l'avais pas encore craft. Mais c'est bien, vous me rapportez du stuff, c'est bien. Donc ça, on va prendre sur soi. Bah ouais, GG. Bah, pas trop de mérite, hein, pour le coup, hein. Bah là, franchement, j'ai à peine passé un mur, je suis... Et en fait, le T-Rex l'avait même pas vu, quoi. En fait, la meilleure défense, c'est les dinos. Ouais, pense à un mur, parce que sinon, les animaux, ils vont sortir. Moi, bon, en tout cas, moi, pour ma part, je viens plus t'attaquer, donc... Ok. C'était la dernière, là. Donc, pour ma part, tu seras tranquille. Ok. Merci. Trop bien fait. Oh, Galapec. Galapec, il s'est fait tuer aussi. Par qui? T'as vu, GG, mon bouclier, mon arme? J'ai eu la couleur or. Oh, nice. Bah, par Mourex. Allez, mieux aussi. Bah, ouais. Galapec. Il le dit même pas, le petit fourbe, quoi, qu'il est là. Ben oui. Et là, tu fais qu'il a du déco, ou je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, prends l'orbe, GG. Ça met anti-raid offline actif. Allez, je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Ah ouais, il y a déco pour... Tu avances. Tu nous éclaires. Ouais. Tu nous éclaires le passage. Tout le monde est en mode fourbe, là, ou quoi? Ouais, mais ça se fait pas, si tu meurs et que tu déco pour pas que l'autre récupère ton staff, ça fait pas trop. Par contre, tu peux tirer, hein. Tu peux jouer, quand même. Ça marche. Bah après, et son corps il était peut-être là, j'avais pas, je sais pas. Son corps il était peut-être là, j'avais pas vu, je sais pas. Ouais, mais son corps, logiquement, le sac il tient un minimum de temps, tu vois, pas 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc dès qu'il est mort, il a dû déconnecter. Je pense que c'est un peu déconnecté. Tout le monde est en mode fourbe. Ah. En tout cas. Ah, mais c'est casse. C'est vrai, je t'ai ramené pas mal de stuff là, putain. Ouais. Je t'ai ramené du C4, du C4, c'est ça. Une mitraillette, un fusil normal, bizarre. Méchant le T-Rex, méchant. Bah, surtout que en plus ils font mal, hein. Attaque. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, la meilleure défense c'est l'attaque. Bah c'est pour ça, hein. Voilà, je les ai pas mis en agressif pour rien. Hein. Et en plus c'est des très bons, ils avertissent très très bien, je trouve. C'est mieux que des alarmes en fait, les mobs. Ah ouais, même le kangourou il était en mode agressif. Ouais. Ah bah oui, hein.
Et tu rigoles, mais ça fait mal. Hein. Non, tu voulais m'attaquer moi? Moi? Et mais, allez, tu rigoles, mais une fois j'étais venu avec mon Rex, qui était quand même à HL et tout. Une fois mon autre T-Rex a marché malencontreusement sur un de ces dinos, j'avais le Kongu et l'oiseau qui m'ont attaqué et j'ai perdu plus de la moitié de ma vie. Hein. Moi je suis ressorti et j'ai crié mais Léon, pas si. Même en passé, tu m'étonnes. Même avec le Kongu qui tapait combien? Je sais plus. Ah mais il faisait vachement mal quoi. Je répare maintenant. Le Sabertooth aussi fait mal, hein. Pour de la plantation, est-ce qu'il faut absolument de la lumière? Bah, quand t'as de la lumière, ça te fait un effet de serre, ce qui donne un pourcentage à tes légumes de pousser plus vite, etc. Qu'est-ce qu'il dit, donc pas de strat, pas de heal. Donc on va aller récupérer le staff maintenant. Gatine a fait le tour de... Ouais, je pensais pas que... Ouais, remarque, si c'était obligé que tu repasses par là, parce que c'est ouvert là. Disons que je pensais plus à te voir arriver à un endroit où je m'y attendrais pas, quoi. En fait, le problème, c'est que je serais passé par un autre endroit si j'aurais eu d'autres C4. Mais le problème, c'est que je pouvais plus faire de C4. Mm. Donc, du coup, bah, le seul moyen vraiment de rentrer, comme j'avais plus d'argent de Tevis, bah, c'était forcément bah, par le seul endroit qui avait un trou et... que je pouvais accéder, quoi. Quand il n'y a pas de firmien. En plus, les firmiens, ils étaient bien. Il a un sacré paquet de viande, hein, sur lui, hein. T'as ta kiff, ça. Bon, après, si tu veux les récupérer, tes affaires, ça me dérange pas. Non. Hein. Non, non, pour moi le PVP c'est voilà, tu perds ton staff. On va dire, pour moi c'est un peu le trophée du joueur qui te tue, tu vois. Ah, génial de m'avoir pendu du caca. Ah oui, je comprends pourquoi il fait mal lui. Il a 1300 de dégâts. Qui? Le Kug. Le rouge. Du coup il doit faire encore plus mal que Godzilla, je trouve, non? Je pense, non? Je crois. Il fait combien en dégâts? Je crois. Quand tu montes sur lui. Bah il attaque à combien? Je sais plus. Ok. Moi en tout cas j'ai jamais vu de golem chier. Ah ouais? Bah peut-être qu'il ferait un caillou. Non? Peut-être, je sais pas. Bon bah du coup on va réparer tout ça. L'armure en fer en plus j'en avais pas, hein. Ah, il manque du polymère. Mais c'est dans l'autre qu'il faut que je répare. Ouais, puisque j'ai fait
je peux plus bouger. L'armure en fer, elle protège plus que celle en d'émeute. Je sais pas. Entre les deux, c'est pas l'émeute la mieux? Moi, j'ai l'impression que l'émeute a l'air d'être mieux, moi je pense. Ah, Alex. Pour moi, l'armure anti-émeute. Qui est la meilleure? Bah, c'est la meilleure. Pourquoi je pouvais pas réparer là et je reviens. Tu me prends une petite cigarette. À toutes. Pourquoi je pouvais pas là-bas? Elle serait par où l'armure en fer? Dans le smithy, hein, c'est ça? L'armure en fer, je crois que c'est dans le fabricateur, non? Bah, je sais pas, là, je viens d'essayer. Attends. Ah non, l'armure en fer, c'est dans l'atelier. D'accord. C'est dans l'atelier, c'est. L'armure anti-émeute que tu as dans le fabricateur. D'accord. Donc il faut métal. Oh punaise. Ah c'est bon. Pourquoi le casque il veut pas le réparer? Lequel de casque? Bah, je sais, le casque anti-émeute. Ah, c'est parce que c'est dans l'autre. Ah, c'est chiant ça. C'est pour ça qu'en fait ça marchait pas là. En fait ils ont pas tout mangé de l'armure parce que j'ai pas le pantalon. C'est le bordel, hein. C'est le bordel. Ah mais c'est pas vrai. Là c'est pas logique, moi j'ai 1225 sur 1230, je devrais pouvoir au moins bouger quoi. Non mais c'est bon, j'ai. Ouais. Sur 1230. Non parce que tu dois avoir un écart de temps et temps de poids, malgré que t'as genre qu'ils disent que t'as un peu moins, mais faut toujours avoir quand même un certain poids pour que tu puisses quand même avancer. Ils sont comiques, hein. Les GG, ils sont comiques. Hein. Ouais. ouais. Pourquoi? Je sais pas comment revenir. D'accord. Ah, mais pas que ça. Génial. Mais pas que. Bon, par contre, je pense que je vais arrêter le stream vu qu'on arrête le PVP puis que je vais. Là, je vais farmer. Je pense pas que ça soit très, très intéressant. Puis, comme Gauthier a stream, je vais pas lui faire non plus concurrence. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vais arrêter là, puis. Je reprendrai pour mon prochain stream là, à partir de lundi, je pense. Peut-être sur un autre jeu, voir, je sais pas, je vais voir, ce sera suivant l'humeur. Donc du coup, je coupe, hein. Salut à tout le monde.